Ce qui s'est passé, c'est que je suis passé en Anchuan libre. Je suis arrivé deuxième. Je suis un peu déçu. Parce que je suis pas rentré dedans. Et par contre, hier, j'ai fait Nantao. Je suis arrivé premier. J'étais bien dedans. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours un relâchement quand le premier jour on fait un truc et qu'on y arrive bien. On est confiant, un peu trop confiant peut-être. On arrive le lendemain j'ai pas senti. Et du coup, j'ai loupé le tout premier saut. Et le reste j'ai réussi, mais forcément psychologiquement ça joue parce qu'on se dit qu'il y a déjà des points perdus. En fait, je pense que quand on sait qu'on va passer dans 20 minutes, un quart d'heure, il faut chauffer quoi, bien chauffer le corps. Et puis 2-3 tours avant, bon là c'est assez long, donc j'ai compté juste une personne avant, donc ça prend bien 5 minutes. Être complètement en calme, reposé pour arriver sur le tapis, pas fatigué. Et puis après, ouais, c'est faire le vide dans sa tête et... voilà, pourquoi pas faire une prière et puis être dedans quoi. Être vraiment arrivé bien. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien qui nous déconcentre quand on arrive devant le tapis et c'est terminé en fait. Ce qu'il y a autour, ça n'existe plus. Et il faut être vraiment dedans et c'est justement la différence entre hier où j'avais bien ça et puis aujourd'hui où on sent qu'on est encore attentif à des choses qui se passent autour et c'est pas bien. C'est pas bien, faut plus être attentif du tout. On est sur le tapis et on est comme en combat, j'imagine, il n'y a plus que le combattant et c'est tout, il n'y a plus rien quoi, rien qui existe.